Bienvenue YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on joue une partie 7 sur 8 jokers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le tirage contient toujours 8 lettres, mais on a le droit d'en jouer seulement 7. Si on joue 7 lettres, le bonus est de 50 points, comme au Scrabble normal. Okay, il y a en plus un joker à tous les coups, donc au premier coup, on aura 7 lettres, plus un joker, et on va essayer de trouver le maximum. Et une fois que le maximum est affiché sur la grille, ce n'est pas le joker qui reste sur la grille, mais la lettre qu'il remplace. Démonstration. 2A, D-I-S-T-U, mauvaise démonstration. Pourquoi? Parce qu'il y a un Scrabble possible sans le joker, qui est Audita, avec le D qui tombe bien. Donc on met toutes les lettres, c'est ça qui rapporte le plus, 70. Deuxième coup, on a un W et un X. Alors, le W étant extrêmement peu probable, on peut chercher, vous avez deux stratégies. Soit vous vous dites, allez, on cherche un Scrabble avec le W. Alors, W et X, il y a des mots qui contiennent les deux, très probablement. Je ne suis même pas sûr. Si, il y a Wax, par exemple, mais il n'y en a pas beaucoup. En Scrabble, je ne suis pas sûr. Donc on enlève le X juste pour voir, est-ce qu'on a un Scrabble avec ça? Twitter, peut-être. Je ne sais même pas si ça existe. Quelque chose comme ça, là. T-W-E-T-E-U-R. Ça fonctionne. T-W... Alors, peut-être ici que ça fait plus. Non, je pense pas. Ça fait la même chose. Est-ce qu'on aurait autre chose? Je ne suis pas sûr. Non, pardon. En enlevant le X, excusez-moi. Je ne pense pas. Et il y a beaucoup plus de chances qu'on ait... Soit on commence par chercher les mots avec le W en se disant « Il y en a très peu, je vais les trouver. » Soit on se dit « On enlève le W parce que c'est fort peu probable. » Alors, vous pouvez le mettre de côté, vous l'enlevez carrément. Ou sur le bord du tirage et vous le cachez. Hop, comme ça. Et vous ne le voyez pas. Moi, je mets le... vous ne voyez pas, mais je mets sur le W. Et là, je cherche. Là, je vois par exemple « Exécuter » sur le T. Malheureusement, ça fait tomber le joker sur la case bleu foncé. Donc, ça fait un petit peu moins. Et je vais chercher tout simplement je vais faire l'alphabet. A. Quelque chose en E, A, U, X, par exemple. Ici, Ereo, Erebof, ça fait beaucoup de voyelles. A, B, C. Ah, il y a extubé, D, E, F, exulcéré. Ça fait la flèche. F, G, H, I, sérieux. J, K, L, non, L, M, exhumé, non, un scrabble sec ici, ce serait pas mal, hein. M, N, O, P, 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 expurgé sur un P ou un G, P, Q, exarque, malheureusement, Q, R, S, sur un S. Ah, resectionné, non, S-U-S-T, pardon. Sur un T, ça me parle bien. Texturé, hop. T, dommage, ça fait beaucoup là. U, V, W, X, Y, Z. Exulteré, sur le C, alors... Rebuxé, refluxé. Sur le D, sur le... Là, E, U, X, quand même. Non. Exèdre, là. Exciseur. C'est probablement un mot triple sur le S. Exergue. Ah, j'ai tiqué un peu sur le G, mais j'ai pas trouvé. Moins 13. C'est pas très grave, hein. Les négatifs sont plus importants dans les parties joker que dans les parties normales, encore plus dans les 7 sur 8 joker. Mais vous avez scrabblé, vous avez marqué 88, il faut pas trop s'en faire. On poursuit avec de jolies lettres. Je pense à un mot tout de suite qui est le verbe twister. J'essaye d'abord les scrabbles avec le W. On a twister, donc comme ça, T-W-I-I-S-T-E-E-S, ça fait 70. Pas de moyen de faire... Alors, est-ce que c'est W-I-S-T-E-N-T? Non. Ah, ici, ça fait plus T-W-I-S-T-E-N-T. Voilà, 3T. Donc, on en est à 88. Dommage, il n'y a pas mieux. Enfin, il n'y a pas mieux. Peut-être sur le I. Non. Est-ce que un tissé ferait plus? Non. Ou insiste, hein. Ça ferait que 78. Donc, sur le G, non. Il faudrait... Alors, winglet. Oh, bien joué. Ou swing. Ben, décidément, on était dans la danse. Pas le twist, mais du swing, ça rapporte 118.
On poursuit, vous voyez là, avec, dans d'autres circonstances, hein, sur un C ou un S, on aurait pu jouer gauchite du verbe gauchir, voire gauchiste, mais ce serait en posant les 8 lettres, et on n'a pas le droit, on a le droit de n'en jouer, on ne peut en jouer que 7, pas mieux. Je cherche avec un joker C, parce que ça fonctionne souvent, hein, vu qu'on a un H. Dans ma tête, j'enlève les lettres une par une, pour voir. Théurgie, par exemple, je vois ici. Voilà, ça fait 86 sur un R ou un E. Peut-être que là, ça ferait plus. Je pense pas. Hein. 82. Alors, comme ça. Juste pour voir. Hein. Aguiche, ça fait 9 lettres. Guicheté, non. Gauchy, ouais. Gauchy, en Scrabble sec. Pas de Scrabble, pas de lettres. En une lettre devant Audita, je pense pas qu'il y ait quelque chose. J'enlève le E. Bof. Aguicha sur un A. Ici, ça fera plus. 76, on a 86. Hein. Alors j'enlève le H, bof. À moins que ce soit là. Estudiage, comme ça, là. Hop. H, I. Non. T. Gauchy, IE aussi. Le U. Litarge sur un L ou un R. Peut-être ici. U. Uret, ben, ça fait pareil, hein. Ouais, ça fait que 80. Alors, HAIT, j'essaye. Hein. Et guichet, non. Ici, H. Chiage, non. Comment on peut faire plus avec le H en pivot, ça ferait moins, je pense. Sur le W, Wahhabit, j'y crois pas, en 9 lettres quand même, ce serait assez improbable. Comme ça, là, H. Non, alors, UA, IA, sur le X, exija, non, EAUX, pardon, là, Tijo, Tigro, ou EUX peut-être, Tachieux, Chatieux, Chito, Ticho, Jito, Atijeu, non. Ou AUX seulement, sans le E devant. Ça peut, hein, ça peut. Château, presque. Non. Alors, je ne trouve pas du tout la solution. Je pense que c'est là. Je pense que c'est sur le X. Non. C'était exhumé. Ah, j'en ai parlé au coup d'avant. Ça gagne un petit peu. 6. Bon. On poursuit avec de très jolies lettres. On pense au Scrabble sans le joker quand les lettres sont vraiment très très jolies, parce que ça fait un peu plus qu'avec le joker. Là, sans le joker, je pense à un verbe en ER, éponger. Et je vois le A pour épongera. Voilà. Ce n'est pas le top. Alors, si jamais j'utilise le joker, je peux trouver par exemple, hein, comme ça, hein, je vais taper un mot qui n'existe pas, mais vous voyez avec le P qui tombe bien, même si on mettait le joker, ça ferait plus que ce qu'on a. Ça ferait 82 alors qu'on a que... alors qu'on n'a que 76. Je mets G-E-A, par exemple. Ah, E-P-O-N-G-E-A-I. Ça fait 78. Ça gagne sur les 76 qu'on avait. Sur le E ici, comme ça, on peut trouver néoprène, par exemple, avec le P qui tombe bien. Et c'est le top. Bravo, Dico. Je vais tout de suite taper pour crâner copiage, même si ça fait 2 points, c'est pas grave. On a également écopage qui marque des points. Mais copiage, on a le P qui tombe bien, pardon. Le maximum, il va être où? Alors, peut-être sur le A, avec le P apiacé, par exemple, quelque chose comme ça. Malheureusement, on n'arrive pas au triple. Enfin, au mot doux, pardon. H-O-P, apigé, apigeonné, pardon. Ici, capier, pas... Non, alors comment on peut faire ça? Je vais manger, j'ai pris un petit peu de glace, parce qu'il fait chaud en ce moment. Comme c'est bon, la glace. Voilà. Recopier. N-E. Alors, si je tapais E-E, non. O-E-E, non plus. Ici, puce-sage. Guépier, par exemple. Tomber dans un guépier. Non. Cup. Pucier. Pussoir, épu,
Non. Comment on peut faire plus? Parce que là, ça commence à faire beaucoup, hein. Voyelle, E. Négocier, on dirait. J'avais tapé quoi? Recopier, ça fait mieux. Alors, peut-être ici, alors. Et ici, peut-être? PC. Non. Non, alors, ici, opiacé. Je vois pas trop où est-ce qu'on peut faire plus de points que ça. Sur le S, ça fait moins. On a un mot double avec un E. Donc, faut... ici, peut-être, hein. Coupe, couperie, coupière, ça n'existe pas une coupière. Poussière, mais c'est non plus. La poussière, c'est avec deux S. Goupe, guépier, bah justement là, non? Ah non, ça marche pas. Non, alors, apiécé non plus, vous voyez, hein. Dommage. Alors, un mot en âge. Non. Sur le E, ça marche pas. Comment on peut faire ça? Écopier, non. Ectopièse. Pucerie, pucière, gousse, coupe, ectopie, le C, le G, le P, rien ne tombe, un hein. Nec, nep, neige, ça, neg, ça marche pas. Je pense que c'est sur le A, je vois pas trop comment on peut faire plus sans, tout, sans toucher le A. Ah bah c'était recopié mais ailleurs. Ça passait en collante de ouf. À moins 4. Je suis à moins 23. Encore une fois, on ne se mine pas pour si peu. On rate des coups, c'est normal. Je cherche le E en triple tout de suite. On va chercher une terminaison IEZ ou EZ ou RIE ou RE ou IRE parce que ça marquera des points. En IEZ par exemple, sur le E, on peut voir ici. Le verbe goder, mais également le verbe déroger. Déroger en triple. Ça fonctionne. À nouveau, de très jolies lettres. Sur le Z, on peut essayer de trouver un mot. Vatier, tavier, avatier. Pour conjuguer, il faut forcément le joker en forme de E. Donc ça va pas bien fonctionner vu les lettres qu'on a. Sur le A, travailler, savater. Un mot qui avait mis du temps à faire son entrée dans l'ODS. 74 sur le U, sauvait, tauvait, évacuait, savatait, non. Où est-ce qu'on peut faire des points? À part le A, je vois pas trop. Alors, ici peut-être en mot double, va, savatait, malheureusement ça fait moins, ça fait que 66. Sur le U, quelque chose comme auvin, tauvenant, activait. Malheureusement, ça fait pareil. Hein. Activa, activé en Scrabble sec. Hein. Et là, peut-être un mot qui terminerait par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malheureusement, il faudrait commencer par le E. Finir ici. Quelque chose comme Enativa, Eva, Evatania, Etavania. Bof. Sur le Z, vraiment pas. Un mot en Yé. Pardon. En Yé. Avatier. Davier. Vutet. Voûtait. Avouait. Comment je peux mettre le V ici? Aïv Taïvati, non. Ah, ici, j'avais pas vu. Un mot en it, comme ça. Vatalite, Tavalite, Vitalité, Vita, ça marche, hein. Voilà. Pardon. Ça doit faire un petit peu plus. 76, ou nativité, apparemment. On a peu de voyelles, hein. On a un O et un U. On essaie de voir comment on peut s'en sortir. Est-ce qu'on peut scrabler déjà? En enlevant le J, c'est le plus probable. Je pense au verbe lourder, du verbe qui veut dire licencier, hein, lourder quelqu'un. Mais lourder, c'est un scrabble sec. Peut-être sur le roulard. Je sais pas si ça existe. Ou est-ce qu'on peut scrabler sur le I de audita pour faire une. Avec un. Pour faire une, pour utiliser une voyelle. Sur le U, roulura, doulura, bof. Alors le J peut-être, parce que j'arrive pas à scrabler. Ici. Verticalement en pivot, donc jar, jardon, voilà, jalousé, yodelé, ici naja peut-être, ça fait combien?
Ça fait que 36, on a déjà 39, peut-être ici. Là-haut, là. Pardon. Ici. Presque j'ai yodelé ici, vous voyez. Presque, hein. Il n'y a que jus. Mais homme, da, li et est sont des mots. Ici, argi, joruri en Scrabble. Yodelé, tenez. Ça fait 38. C'est pas loin. Et là, ralour, roulard, doulard, daluro, raludo. Déroulé aussi sur un i. Jade, ça fait 38. Jado, j'adore. Jade, non. Et là, dalle. Alors, là, ça peut vraiment être un scrabble, tout simplement. Sur le A. Ralour, dalour, durolard, darulour. Non, sur le T, rudo. Attendez, rudéral. Sur le I. Riolur, je ne crois pas. Durolaire, pareil, j'arrive pas. Le J à part ici, est-ce qu'il y a un endroit où on peut lui faire marquer des points? Un mot qui finirait par EJ ici, quelque chose comme feuge peut-être. Bof. Ici, verticalement, dirilor, ridilor. Non, sège. Non, alors là, verticalement, noja. Est-ce qu'il y aura un mot qui commencerait par noja? Non. Ici, ja. Jar. Vraiment pas mieux. Ça peut vraiment être plus 1 ou plus 2 ici. Mais aussi 1 plus beaucoup. Arjoul, vous voyez. Et là, même là. Hein. Judo, judoka. Dommage, dommage, dommage. Je n'ai pas trouvé, ça peut être très très cher. Alourdir, j'ai pas trouvé du tout. J'ai vu lourder, mais pas alourdir. C'est dommage, c'était pas loin. On poursuit, on ne se démet pas. On est à qu'à moins 31 en plus. Hein. C'est incroyable d'avoir... Ah non, moins 54, pardon. Moins 54. Moins 31, juste le dernier coup. Je vais essayer chercher tout de suite, avec le J déjà en pivot, ici, Ja. Jafla, non. Avec le F, peut-être horizontalement, ou sur le I, ou sur le R. Renfla, oh là là, ça fait déjà des points. Renfler, ça fait des points. Renifla... alors, Fraline, non, ici, non, combien on a? 83, parce qu'on a un mot triple, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup un mot triple. Pour faire mieux, soit on trouve un nonuple, bien sûr, quelque chose comme, non, on n'a que deux voyelles, donc il y a peu de chance de, enfin, ben non, je sais pas, attends, refalon, et raflon, oh là là, c'est pas cher. C'est le top. Oh, c'est dommage, vous voyez là. On pourrait avoir un 9 lettres dans d'autres circonstances, parce que là, ça passe pas. Mais il y a un Scrabble sec en 8 lettres, Jerrican, qui passe sur un R, mais le R est mal placé. C'est un Scrabble sec, donc on pourrait trouver sur un R ou n'importe quelle lettre du tirage ici, hein, sur un J par exemple, sur un R. Comme ça, Jerrican. Malheureusement, il y a le G qui nous fait buter. Je regarde quand même, je vérifie bien que ça ne passe pas. Non, hein. Bon, tant pis. Cyanuré, hop, comme ça, et toute sa famille, sur un Y ou sur un... ça pue, hein. Attention, attention, attention. Je pense pas qu'il y ait avec le J et le Y. Jerrican, c'était déjà un miracle. J'enlève les lettres une par une, non. Ah! Non, comment c'est? Bajoyer, non, ça marche pas, là. Non plus, donc c'est Joncera, par exemple, sur le O, ici, hop. C'est déjà un Scrabble. Comme ça, sur le D, non, sur le U, pas mieux, sur le A non plus, qui commencerait par exemple, si on enlève le J, quelque chose comme crayonné sur un A, un O ou un N, je ne crois pas que ça passe, sur le A... Allez là, crayon, mais ça prend deux N.
Un jeu que 68, hein. C'est pas des millions. Même avec un pivot. Enfin, avec un pivot, on pourrait faire plus, hein, si le Y tombait très très bien. Malheureusement, je ne vois pas de case bleu foncé. Ici, par exemple. Co. Non plus. Ici, Y. Non, jury. Ça fait des points, mais ça fera jamais 68. Cyanure. Quelque chose comme corneille, oncreil, conareil, cornaille. Et là, rejeu. QG, non. Verticalement. Jaillet. 56. Cray, Cuyenne, Juyenne. Jaille. Le Z, j'ai pas vu. Cyanuré, moins 13. Eh ben. On a encore deux lettres chères. Je vais. Ah, oh, Bamileke sur un I. Ou un E. B-A-M-I, dommage. Ce serait comme ça, là. Bamileke. Malheureusement, ça fait IT et AD. Là. Jambalaya. Non. Mangeable, ça s'écrit pas comme ça. On va essayer de marquer des points comme crème, c'est un début. Comme de la crème pour le visage. Le K en pivot, comme ça. Kea. Kea. Kemia. Beke, ça fait un petit peu plus. 52. Oh, c'est le top, c'est joli. On s'accroche toujours. Il n'y a plus beaucoup de voyelles dans le sac. Il reste le deuxième joker. Flambé. Sur le U, peut-être. Boulame. Donc Foulame, pardon. Foulame. 82, c'est le top. Oh, c'est quasiment écrit le verbe habiller. Donc on va jouer déjà habilla. C'est un début. Sur le R, rabia. Ça fait plus ou pas? Ça fait pareil. Hein. Ah non, c'est un mot double, pardon. Voilà, on n'a plus de voyelles, il n'y a plus de voyelles dans le sac. Il reste juste un joker qu'on a dans les mains. Donc on va simplement marquer des points en posant les bonnes lettres aux bons endroits. C'est original ce que je suis en train de dire, je le sens. Je sens que ça vous parle. Ici, Q, non, Q, 4, ça ne marche pas. On n'a que 25, hein. On a un J, un Q. Je vais essayer de faire marcher, de faire fructifier le J. Alors ici, peut-être, jette, c'est déjà des points, 33. Et voilà, il y avait l'anagramme. Jet set, finalement, j'ai pas trop perdu de points. J'ai fini à moins 67, rien de ridicule. On était 38 première série, je suis loin, mais c'est pas très grave. Hein. Moi, je joue pas, j'essaie de faire au mieux, mais j'essaie surtout de vous donner des petits conseils pour fabriquer de meilleurs mots. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très probablement.